Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les voyageurs, à toute la diaspora. Où que tu te trouves, bonjour. Tout a une fin. Un jour, on sera libre. Un jour, chacun aura ce qu'il est parti chercher. Ah oui, Dieu nous donne tout ce que nous partons chercher. Tout ce que tu cherches dans ta vie, Dieu va te donner. Il faut avoir espoir. Faut être fort, n'abandonne pas. Le plus important, c'est d'être là où tu es arrivé déjà là. Prends ton temps, ne cours pas. Si tu cours, tu vas sauter sur ce qui est dédié pour toi. Faut toujours prendre son temps. Et quand tu prends ton temps dans la vie, tu ne rates aucun détail. C'est tous ceux qui sont pressés qui sautent sur leurs chances. Et la vie est faite ainsi. Quand tu cours automatiquement, il y a des détails que tu vas oublier. Il y a des détails que tu vas rater. Et il y a des détails dans notre vie que quand tu rates, tu es obligé de chercher cela. C'est un peu comme tu pars dans un bureau administratif. Tu entres dans tous les bureaux. On te reçoit. Mais à la fin, quand tu pars déposer le dossier quelque part, on te dit il faut un cachet. Il faut une signature. Il y a des petits détails. Mais des détails qui sont très cruciaux dans notre vie. Des détails très, très cruciaux. Et que si tu manques à cela, non, tu auras besoin. Que ce soit là où tu es arrivé, on va te dire non, rentre en arrière. Ton dossier est presque complet, mais il te faut un document. Donc c'est ça le parcours de notre vie. Il ne faut pas être pressé, petit frère. Tu es déjà en route. Le plus dur, c'est d'avoir la volonté de commencer. Le pouvoir vient à ceux-là qui veulent le pouvoir, qui s'intéressent. La réussite ne vient qu'à ceux-là qui s'intéressent à la réussite. Tu ne peux pas t'intéresser à quelque chose. Tu ne peux ne pas vouloir t'intéresser à quelque chose, ça vient à toi. Non. Il faut s'intéresser. Il faut bien se comporter pour que le pouvoir vienne à toi. Il faut beaucoup faire attention. Mais oui. Que oh, Maurice Kamto veut le pouvoir à tout prix. Et dit, attendez, il ne veut pas le pouvoir comment? Il veut le pouvoir. Il veut le pouvoir. Mais seulement qu'il veut le pouvoir de la bonne manière. Dans la démocratie. Sans bain de sang. Mais oui, c'est clair. Pendant ce temps, d'autres s'accrochent au pouvoir en versant le sang des Camerounais. Donc on s'en fiche. En fiche-toi de tout ce que les gens vont dire. Ok? Il n'est pas interdit de rêver, jeune frère. La logique de la vie, on ne doit pas t'en vouloir parce que tu veux sortir de la galère, de la misère. Pour manger 3 fois par jour. C'est de ton droit de sortir de la misère. Où est le problème? Sinon, il est toujours en train de travailler, mais il faut travailler. Non, il est toujours en train de vendre. Il faut vendre. Même le dimanche, non, le jour viendra. Ceux qui se moquent de toi là n'auront même pas la force de vendre le dimanche. Parce que toi, tu seras en retraite. Et tu auras bien arrangé ta retraite. Mais oui, il y a des choses que quand je faisais hier, mes amis me disaient que oh, tu es trop jeune. Tu es trop jeune. Mais aujourd'hui, et ils étaient déjà plus âgés que moi. Aujourd'hui là, ils sont toujours en location. J'ai des amis qui ont 60 ans, hein. Quand on dit amis, c'est les gens avec qui on a commencé, que j'ai commencé l'aventure, je les ai rencontrés dehors, ils avaient déjà 40 ans. J'ai rencontré les grands frères en Libye, à l'époque. Ils avaient 40 ans, 45 ans. Donc imaginez, 25 ans plus tard, ils ont quel âge? Qui remet à demain, tout le malheur en chemin. Tout a une fin. Aujourd'hui, tu fais la pluie et le beau temps. Il faut placer. Sache que la chance que tu as aujourd'hui, là, tu n'auras pas ça demain. Ne néglige pas un détail de ta vie. Sinon, tu vas regretter. Et ça va te rattraper. Les regrets, tu vas devenir sorcier parce que tu seras aigri. Et il n'y a pas plus aigri que quelqu'un qui a eu les opportunités de faire et qui n'a pas pu faire. Il parle tout de son passé. Quand j'étais, ah le petit là, il pense que quoi, il a le succès, ça lui prend la tête. Non, c'est parce qu'il est aigri. C'est parce que tu as la liberté de parler.
Tu peux t'offrir ce que tu veux. Il est aigri. Il n'y a pas l'âge pour quelque chose. Il n'y a pas l'âge pour mourir. Comment tu veux dire que non, Yusuf? Tu n'es pas jeune. Non, tu n'es pas jeune. Profite de chaque occasion comme la dernière de ta vie. Profite de chaque occasion. Il n'y a pas l'âge pour mourir. Sinon, les enfants, les bébés ne devaient pas mourir. Donc, il n'y a pas l'âge pour souffrir. Tu n'as pas droit à l'erreur. Profite de chaque opportunité. Et sache que tout a une fin. Le malheur a une fin. Le bonheur a aussi une fin. Le succès a une fin. Et si tu n'as pas arrangé après succès, tu vas lire l'heure. Si tu n'as pas arrangé après bonheur, tu vas lire l'heure. Et si tu blagues avec ton bonheur, tu vas te retrouver à la case de départ. Si tu ne veux pas perpétuer l'héritage de ton père, tu vas lire l'heure. On va te dire que voilà l'ancien fils de riche là. Aujourd'hui, lire. Il est un clochard. Oui, l'ancien fils de riche. Ton père a tout laissé. Mais tu n'as pas arrangé à perpétuer l'héritage de ton père. Tu vas lire. Parce que tout a une fin. Toi, tu es en train de commencer là. Il faut avoir espoir. L'espoir. L'espoir fait vivre. Il faut rêver. Dis, je vais réussir dans ma vie. J'ai fait quoi, Dieu? Mon père a trop souffert. Mes parents ont souffert. Notre enfance ne ressemble à rien. Dis-moi, ça va s'arrêter sur moi. La souffrance va s'arrêter sur moi là. Je vais donner une image à mon tour, à moi, à mes enfants. Bien sûr. Tu n'es pas obligé de faire comme tes frères. Tu n'es pas obligé de faire comme tes frères. Vous savez, quand vous avez grandi dans une famille pauvre, que les parents n'avaient rien, vous allez voir que la majorité de tes frères sont frustrés. Et voilà pourquoi ton comportement surprend tout le monde. Ils comptent même sur quoi, hein? Non. C'est parce que tu as dit à ton tour, ça s'arrête. Et tous tes frères sont surpris. Regardez bien, dans les familles tellement pauvres là. Regardez bien, on considère celui-là qui est éveillé comme celui-là qui est têtu. Non, tu n'es pas têtu. Non, il a pris la route du désert. Non, c'est que tu veux réussir. Ce n'est pas un tort pour un enfant qui veut réussir. Il n'est pas interdit de rêver. Il faut seulement être sage. Et ils ne vont que parler parce que tout ce que tu fais dans la vie, de bien ou en mal, les gens vont toujours parler. Les gens vont toujours parler. La vie, c'est le courage. Et c'est le courage là qui nous manque. Mais il fait quoi long à Jakarta là-bas comme ça là? Pourquoi? Parce que tu as tout mis dans ta tête que non, les gens doivent être qu'en France. Non, l'essentiel, c'est de s'en sortir. J'ai vu un qui a dit l'autre jour que l'Indonésie c'est un pays pauvre. Mais c'est pauvre pour toi. Mais pas pour moi. Je m'en sors ici là. Je connais les gars au Gabon que tu ne tapes pas les mains. Ils vivent au Gabon. Je connais les Camerounais qui vivent au Tchad. Qui ne tapent, que tu ne peux pas leur dire bonjour. Mais oui, la vie c'est ça. Voilà le fils de Pius Yahweh. Vous ne demandez pas là où il est. Il vit encore. Il vit là-bas au truc. Il est en Centrafrique. Le fils de Pius Yahweh. Ou bien c'est Kim Diaw là. Il vit en Centrafrique. Il est gardé, véhiculé. Ben oui, la vie c'est ça. Donc la vie d'abord c'est la compatibilité. Honore, célèbre là où tu vis et tu t'en sors. La vie c'est ça. Il y a les Français en France qui dorment dans la rue. Il y a les Camerounais en France qui dorment dans la rue. Il y a les Camerounais en France qui sont multimillionnaires en euros. Il y a les Camerounais aux États-Unis qui dorment dans la rue, même au Canada. On montre les vidéos chaque temps. La vie, c'est la compatibilité. On peut se moquer de toi dans un pays. Ailleurs, c'est toi le chef terre. La vie, c'est ça. On a connu des amis ici-là qui sont arrivés. On les a rapatriés. On les a déportés. On se moquait d'eux. Aujourd'hui, ils sont chef terre en Australie. Donc, ils sont chef terre en Australie. Ici, on les a déportés. C'est les Camerounais qui ont cotisé pour le billet d'avion. Aujourd'hui, là, en Australie, il est chef terre là-bas. Accepte qu'on te dise que non, tu es dans un pays pauvre. Et puis quoi? Mais toi, est-ce que toi tu es pauvre? Non. Ça dépend de ce que chacun fait là où il se trouve. Ça dépend de ce que Dieu a réservé pour toi. Ne vis pas par rapport aux autres. Tu connais en quelle année nous on a traversé la Libye? Tu connais en quelle année nous on est entré en Europe? Hein? Toi là. Tu connais en quelle année? Est-ce que tu es sûr que je me suis senti mieux là-bas? Peut-être j'ai fait un choix. Le Cameroun est toujours dans la distraction. Que hein, l'Indonésie est un pays pauvre. Mais ah bon, hein, c'est toi qui dis. C'est toi qui es misérable, c'est toi qui es pauvre. Tu n'as pas de monnaie.
tu n'as pas de langue. Ici là, je peux aller dans là où on change, je peux aller là où on fabrique l'argent là dans la semaine. Je vais aller là-bas. Je vais vous montrer là où on fabrique l'argent en Indonésie. C'est dans le pays. C'est sans dire pays riche. Les Européens ne sont pas riches. Mais ils sont riches parce qu'ils ont l'âme. Ils vous contrôlent. Tu as tout, mais tu es pauvre. Parce que tu ne peux pas te défendre. Le fort, le riche, est celui qui peut se défendre. Que si tu l'attaques, il riposte. C'est ça un fort. C'est ça un fort. C'est ça un fort. Faut beaucoup faire attention, les gars. Donc n'écoutez pas les ondits, les frustrés. Partout tu vas voir ceux qui ont réussi. Partout tu verras ceux qui ont échoué. Me voici, il est quelle heure? C'est le matin, je suis dehors. Tu sais où je m'en vais? Non. C'est parce que je m'en ai fait un pointage. Je m'en ai fait un pointage. La vie c'est ça. Pendant ce temps, tu vas voir un gars, il est au carrefour chaque jour. Il boit les vins, il boit les bières. Il est dans toutes les cérémonies. Attendez, pourquoi? Si demain, son avenir te surprend. Mais celui-ci était en bain. Qu'est-ce qui, pourquoi il n'a rien comme les autres? Mais bien sûr, parce qu'il dormait. Il y a cela peut-être 10 ans. 10 ans. J'étais en train d'aller sur une banga avec ma famille. Et j'étais en train d'aller en banga avec ma famille. À côté de moi, il y avait mon beau-père. Et mon beau-père a toujours vu tous mes amis avec qui j'ai fait l'aventure. Il vient toujours avec les grosses voitures. Et comme ça que voilà un ami qui m'appelle. J'ai dit, ok, comme je m'en vais en banga, on se prend au rond-point. Et comme ça qu'on se prend au rond-point, je sors quelque chose que je devais lui donner, je lui donne. Mon fils, regarde. Mon beau-père lui dit que, mais, c'est quoi non, mon homonyme? Il dit que, mais papa, pourquoi celui-là est comme ça là? Il est comme un fou. Hein? Et quand tu causes à lui, c'est comme si il était aussi dehors comme toi. Mon beau-père me dit que ce que voulait même te dire, c'est comment? Il dit que non, il a eu trop de problèmes dehors, on l'a rapatrié. Oui, on l'a rapatrié. J'ai expliqué l'histoire de ce monsieur, mon beau-père. Celui-là, toujours en train de boire dans les bars, toutes les cérémonies, il est là. Toujours dans les bars. Il y a ceux qui s'en sortent dans les bars. Pourquoi? Parce que c'est là où il vient être aux aguets. Il vient avoir l'information. Faites attention. Le carrefour n'est pas toujours une mauvaise chose. Le nganda n'est pas toujours une mauvaise chose. Et il y a ceux-là qui sont là-bas. Tu vas voir un gars, il ne boit pas. Il vient contrôler les faits et gestes des petits du carrefour. Il vient avoir les informations. Tel business, qu'est-ce que l'autre fait? Il est aux aguets. Faites attention, je connais des gens qui trouvent leur compte au carrefour, dans les bars. Tu le vois, il prend une bière, il lèche. C'est comme ça qu'il fait depuis les années, il s'en sort. Mais toi, tu es au bar pour boire la bière, pour saouler en vrai. Pendant ce temps, l'autre-là, il est aux aguets. Ah, celui-ci achète que les habits. Il trouve les habits là où? Dans tel marché moins cher. Ah, demain matin, lui aussi, il est là-bas. Il y a beaucoup là que tu vois là. Son travail, on n'envoie que l'argent. Hein, c'est un appâcheur. On envoie l'argent, il achète les choses, il envoie. Toi, tu es là dans un pays, tu ne connais même pas là où on envoie les choses. Mais au lieu d'être là pour contrôler, tu dois tricher la vie. Hein, c'est la tricherie. Il n'est pas interdit d'imiter le bon exemple. Sois éveillé seulement. Sois éveillé. Regarde le pas des gens, comment ils font. Toi, tu viens au carrefour, on dépose les bières. Celui-là, même parfois, qui est en train de lécher la bière, te donne les bières. Tu sais, tu ne te poses pas la question. Mais le grand, s'il choisit sa part d'argent, que oui, il ne peut pas te montrer, petit frère. Tu dois tricher. Il y a des choses qu'on ne nous montre pas. Tu triches. Oui, petit frère. Tout chemin mène à Rome. Seulement, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que tu veux réussir. Mais il y a des choses de la logique de la vie. C'est clair. Tu ne connais pas les marchés. Parfois, tu cherches un grand, tu ne le vois pas. Il est allé loin dans une autre ville. Toi, tu te dis que non, il est là. Non, fais attention, petit. Fais attention. Faut être sage. Faut être sage, petit frère. Sois éveillé. Ouvre ton cerveau. Ouvre ton cerveau. Ne sois pas bête. Ah bah, tu passes ton temps à boire les bières. Tu t'égares. Tu t'égares. Arrête de t'égarer, champion. Triche. Triche, petit frère. Il y a les mains. Est-ce que vous savez là qu'il y a les chaussures, les magasins là? Tu vois, un Camerounais, il quitte ici, il va à 800 km. Là, on a rangé les chaussures Adidas, Nike, tout ça. Ici là, ça, il y a toutes les entreprises ici là. Vous allez voir, les habits Zara là, on court ça là partout. Dans les bourses là, éloignés. Ils sont partout. Il quitte ici, il va aux Philippines. Hein, dans telle marque de Nike, il regarde, c'est fabriqué où il va là-bas.
Il y a les chaussures là qu'on a arrangées. Un pied est plus grand que l'autre. Un pied serre que l'autre. Il va là-bas. Il fait le business. Il cherche le contact des gens qui travaillent dans l'entreprise. Là, on fabrique les chaussures. Mais oui, même les Louis Vuitton que vous voyez là. Ouh, il y a ce qu'on ne doit pas utiliser. On va mettre de côté parce que ça a été, la fabrication a raté. Mais quand tu vois, c'est Louis Vuitton, mais la fabrication a raté. Ben oui. On met ça dans le marché noir. Les gars vendent ça. Je connais un gars ici, son travail, un Indonésien. C'est l'un des fournisseurs des Camerounais. Il est là. Toutes les options, même les chaussures qu'on a fabriquées pour tel pays, tel pays, tel pays. En fonction du pays où ça va. Et il y a les chaussures que tu ne verras jamais en France. Il y a les chaussures que tu ne verras jamais en Allemagne. Il y a les chaussures rien que destinées pour l'Allemagne, pour la France. Qui quitte d'ici là. C'est comme ça. Il y a les gars qui sont là seulement là. Ils sont dans les sociétés là devant. Tu le vois, ils sont ça. Il part, il achète deux paires de chaussures là-bas. Il a son fournisseur dans la maison. Quand il vend les deux paires de chaussures là, il a 1000 euros de bénéfice. Bah, c'est les chaussures que dans la maison Versace, ça coûte 5000 euros. Mais comme ça a été raté la fabrication, on sort avec, on achète. Les gars achètent. Ah oui, les gars achètent. Il vend la chaussure. Il a 1000 euros par bénéfice, par chaussure. Toi, tu le prends pour un clochard. Tu vois, que mais le gars, là, qu'est-ce qu'il fait au Cameroun? Il investit comment? La vie, c'est le Shiba. La vie, c'est la tête. L'aventure, c'est la tête. Ah oui. Là, il y a les combats des sacs là, les sacs Louis Vuitton, hein, tous les sacs là, tout ça. Hein, tu es là aux aguets. C'est ça aussi, venir au Carrefour pour l'information. Ça dépend de pourquoi tu restes au Carrefour. Toi, tu viens étant bête. Tu ne veux pas l'information, ça te regarde. Ça te regarde. Et voilà pourquoi le succès des autres va tout te surprendre. Parce que tu ne veux pas réussir dans ta vie. Tu ne veux pas réussir dans ta vie. Mais ah oui, même les passeurs là, il y a les passeurs malhonnêtes, il y a les passeurs honnêtes, voilà, qui ne peuvent pas vous embarquer dans une embarcation à risque. Il y a les embarcations à risque. Mais oui, être au courant, ne cours pas. Quand on donne ton argent, c'est ton argent. Tu as souffert pendant 2 ans, 1 an pour garder ton argent. Prends ton temps. Ce n'est pas la course, l'essentiel c'est que tu traverses. Prends ton temps et suis ton instinct. Si tu n'es pas en forme, tu renonces. La vie c'est comme ça. Tu n'es pas en forme, tu renonces. La vie, c'est comme ça. Parce qu'en réalité, il n'y a que notre chair là qui nous appartient. On réagit en fonction de notre instinct qui est notre esprit. Bah oui. Parfois, tu te dis que je ne suis pas en forme, mais tu es en forme. Tu te rends compte que tu as réalisé quelque chose que tu doutais de toi. Non. Tu es contrôlé par ton esprit, par ton âme. Faisons beaucoup attention. Mes chers frères et sœurs, la vie est un combat. Ne jamais abandonner. Lève-toi tous les jours. Lève-toi. Garde espoir. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Voilà. Ne pas être obligé à faire comme les autres, mais admirer ceux qui réussissent. Admirer, parce que ça te donne espoir. Ça te donne espoir. De dire, j'attends mon temps. Mais ne l'envie pas. Parce qu'il y a beaucoup là qui ont vendu leur âme au diable. Même en aventure, faites attention. Vous qui croyez que la sorcellerie. Non. Il y a la sorcellerie partout. Même en aventure, il y a des gens qui pratiquent. Ici, les blancs pratiquent. Combien de fois on a noué les maisons où on ne dormait pas. Et quand on se plaint, le bailleur dit que c'est comme ça. Mais à la suite, c'est le voisin qui nous dit la vérité. Que le voisin que tu vois n'est pas simple. Mais oui, il y a les voisins sorciers. Il y a les locataires sorciers, même chez les blancs. Bien sûr, si vous ne connaissez pas. Vous croyez que ce voilà. Ouais, la sorcellerie c'est partout. La sorcellerie c'est partout. Il y a les maisons où tu dors, tu ne dors pas. Mais oui. Il y a les maisons où tu dors, tu ne dors pas. Il y a les maisons où tu loues, tu te rends compte que dans la nuit il y a le bruit. Il y a les maisons où tu arrives comme ça, tu loues la maison, tu te rends compte que les choses se déplacent. Tu as déposé telle chose ici, tu te rends compte que ça s'est déplacé. Bien sûr. Bien sûr. Il y a les maisons portent malheur. Il y a les maisons que tu loues, ça coûte cher, mais tu payes. Les maisons où tu te lèves le matin, tu as la force de te lever le matin. Mais il y a les maisons où tu dors, tu te lèves, ton corps est fatigué. Ça te perd le temps. Parce qu'on te suce l'énergie. It's wasting your time. Il faut avoir l'expérience de la vie. Même au Cameroun, il faut avoir l'expérience.
Il y a des choses qu'on te donne à vivre prix, dis que non. Il y a des choses qu'on te donne gratuites, dis non. Quand, surtout quand on a la femme et les enfants, fais attention, petit frère. Leçon de vie. Quand on a la femme et les enfants, il y a les risques qu'on ne prend pas. Que si tu prends, tu vas confirmer. Tu prends, tu vas confirmer. Quand on a la femme et les enfants, on se méfie de baptiser, de partager certaines choses avec certaines personnes. À un moment de la vie, là, rien n'est pour plus rien. On te donne quelque chose par rapport à. Mary, par rapport à. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Il y a les vidéos que je fais. Quelqu'un me donne l'argent. Je n'ai pas peur de prendre. C'est parce qu'il est content de ce que je dis. C'est clair. Mais à un moment de la vie, là, tu t'assois, quelqu'un vient et te fait du bien, tout et tout. Oh, oh. Non, fais attention. Même les amis. Il y a les amis, quand ils entrent trop dans toi, ils font les choses devant ta famille, devant ta femme et tes enfants. Il faut arrêter ce genre de relation-là. Il faut lui dire, gars, je ne suis pas content. Tu ne dois pas venir chez moi chaque temps avec les sacs de riz, tout et tout. Non, 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 non. Arrête ça. Si tu aimes bien, il connaît tes difficultés, qu'il te trouve le travail parce que lui travaille pour le moment, tu es en chômage. Si tu aimes bien, qu'il te donne l'argent à toi, tu n'as qu'à faire les choses chez toi. Qu'il porte le sac, tout et tout. Je connais un ami qui a perdu sa femme comme ça là. Le manque de maturité nous détruit. Parfois on pense qu'on nous aime beaucoup parce qu'on veut, alors qu'on veut absolument quelque chose de nous. Fais beaucoup attention. Il y a les gens qui te montrent, il y a les gens qui vont te montrer qu'ils sont prêts à tout pour toi. Mais alors que non, ils sont prêts à tout pour eux. Donc tout ce qu'ils font là, c'est parce qu'ils veulent gagner quelque chose en retour. Faut beaucoup faire attention. Aujourd'hui notre peuple périt faute de connaissances. Pourquoi? Parce que beaucoup ont compris qu'il faut faire la bêtise pour réussir. Les gens n'ont plus d'expérience. Et quand on dit que venons vous conseille, vous payez, tu payes, je te conseille. Tu penses que tu connais, tu ne connais encore rien, petit. Dans tous les sens, dans tous les domaines, viens, je vais te conseiller. Mais tu me payes. Tu me payes, petit. Tu viens parler d'une affaire de 10 millions, tu me dis, je te paye pas, tu me payes pas comment? Non, grand frère, vraiment, tu es inspiré. Non, tu me payes. Tu me payes et c'est plus mieux de payer. C'est plus mieux que tu payes. On te donne ton conseil. Tu pars ni vu ni connu. C'est ça le plus important. Ça veut dire que dans, tu vas comprendre. Dans, je n'ai pas eu le conseil ici pour rien. J'ai payé pour qu'on me conseille. Et tout ce que tu gagnes parfois gratuitement, il y a un retour. Parce que tu l'as eu gratuitement. Et tu ne peux même pas en faire bon usage. Imagine que tu payes un coach sportif. Quand il vient à l'heure, tu dois te lever. Tu dois te lever parce que c'est les jours qui sont comptés. C'est la même chose. Ça réagit automatiquement, physiquement et spirituellement. Spirituellement surtout. Spirituellement dans notre vie. Quand tu payes, tu te rends. Tu sais que, hey, non, tu vas prendre ça en considération. Parfois, tu veux dépenser plus. Alors que si tu te fais conseiller par un grand frère qui a l'expérience, tu vas dépenser moins. Tu vas faire les économies. Mais oui. Il y a des projets que tu dis que non, il y a beaucoup là qui disent à côté de moi. Eh non, grand frère, j'ai envie de dépenser, j'ai envie de mettre 15 millions sur tel projet. Je dis, tu me donnes 500 000. Non, grand, c'est beaucoup. Vraiment, il faut faire tout pour Dieu. Comme tu fais. Eric, fiche le camp. Va mettre alors tous les 15 millions. Qui t'a dit que ton projet, absolument, c'est le capital? Non. Le capital ne garantit pas le projet. Désolé. Il y a des projets que tu n'as même pas besoin d'argent. Il suffit seulement que tu parles à quelqu'un, il va mettre son argent et tu vas gagner. Maintenant, il y a les projets que il ne suffit pas de mettre autant d'argent. Il y a les projets où tu as besoin rien que de 1 million pour commencer. C'est la maîtrise de son projet qui garantit ton capital. Il faut dompter ton capital. Il faut maîtriser ton capital. Il faut maîtriser ton projet. Il faut dompter ton projet. Ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs agences. Comme la feuille, il a ripé à son âme, celle qui nous a quitté il y a les cela quelques années, Obama Fashion. À l'époque, elle voulait ouvrir les salons de coiffure partout. Bon, il a dit que grande soeur, est-ce que tu vas t'en sortir, c'est facile. Celle qui veut se coiffer, mais celui qui veut se coiffer, quitte là où il est, il vient se coiffer chez toi. Tu vas là ouvrir à Yaoundé. Mais tu vas faire comment? Tu vas te reposer comment? Bah, tu viens essayer, c'est à 6 heures. Et aujourd'hui, la confiance, c'est pas facile. Pas facile. Tu vas essayer, les gens vont t'abuser. C'est clair. Sauf si peut-être tu ouvres maintenant, tu mets les caméras, tout et tout. Mais comme c'est toi qui veux tout tenir tes caisses, tu veux tout être derrière la caisse. Là, c'est facile alors. Pas facile la vie. Faut beaucoup faire attention, les gars.
L'essentiel n'est pas d'avoir beaucoup. Tu peux avoir un seul. Mais tu dépasses ceux qui ont beaucoup là. La vie, c'est ça. Et parfois, on voit les hommes d'affaires ont beaucoup de choses. Non, ils veulent juste te représenter. Ils veulent juste que sa marque représente. Parfois, dans une autre vie, ils ont lui rapporté même rien. Mais ce sont porte-monnaie qui souffrent. Parfois, c'est une seule agence qui paye toutes les charges des autres. Mais il veut être représentatif, juste, c'est tout. Et en ce moment, il faut d'ailleurs être une multinationale qui a beaucoup d'argent. Mais c'est toi qui es un débrouillard, c'est toi qui veux être partout. Tu vas t'en sortir comment? Tu vas t'en sortir comment? On ne doit que t'abuser tous les jours. C'est clair? Moi, je suis au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, madame. Nous sommes les acteurs des réseaux sociaux. Donc, il n'y a rien que nous, on ne connaît pas sur la toile. Et si on ne parle pas, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment de parler. C'est clair. Et là, ce qu'on a prévu de parler. Et ça, on va au fur et à mesure. Donc, parfois, les informations que vous venez mettre là, ça m'est égal. Parce que moi, je suis au courant. Qui peut être au courant de nous là plus que les acteurs des réseaux sociaux? Il y avait les choses qu'avant que ça se passe, nous on connaît déjà. Mais oui. Alors, c'est comme l'histoire de Rigobert son là. Alors quoi, quand on vous dit que non, il n'est pas. Quel patron? Même le président de la FECAFOU là, sa place n'est pas assurée au Cameroun. À la FECAFOU là-bas. Même lui-même là, sa place n'est pas assurée à la FECAFOU. Alors quoi là. Qu'on va reconduire. Mais tout est politique. Voilà. Alors, voilà. Le football, le gouvernement camerounais tient tellement au football camerounais. Le gouvernement camerounais tient, c'est la chose de Popol. C'est la chose de Popol. Parce que c'est ça qu'il il éclaircit son image. Il blanchit son image. Tant que je suis président de la FECAFOOT, Rigobert Song sera tout là. Tu es sûr que c'est ta chose? C'est un instrument d'État, de propagande. Voilà. C'est quand les lions jouent qu'on passe certaines lois. C'est quand les lions sont en train de jouer, quand ils ont la victoire, que Popol peut dormir sur son oreiller. Vous partez, vous rentrez sans victoire. Pendant que tu es en train de faire ton one man show, tu règles tes comptes. Tu es surpris. Voilà pourquoi quand tu veux être quelqu'un de noble, garder ta dignité, il y a des choses qu'il faut éviter. Quand tu sais que tu n'as pas vraiment le plein pouvoir. Mais oui, quand tu sais que tu n'as pas le plein pouvoir, parce qu'on va utiliser ça pour te faire honte. On va utiliser ça pour te faire la honte. Pour te dire, hey, arrête-moi ça, arrête ça. Tu es là parce que nous, on existe. C'est là que tu comprends, non, ta place toi-même là n'est pas garantie, là-bas n'est pas assurée. Élection. Il suffit que le régime de Yaoundé là décide d'organiser une réunion extraordinaire. Mets les armes sur la tête de chaque président de parti. D'ailleurs, comme d'habitude, non? Les présidents des partis là prennent l'argent où? La majorité sont du RDPC. La majorité sont les gens du RDPC. Voilà. Et quand ta tête commence à énerver la masse populaire, le système te sacrifie. Il suffit qu'on organise une réunion extraordinaire. On bloque tous tes faits et gestes. Toutes tes entrées, tes sorties, toi te bloque. On donne le pouvoir à tous les présidents de club. On organise une réunion extraordinaire. On exige ta démission. Terminé. Vous parlez encore là que oh, Samuel Eto'o. Ah, laissez ça, dis donc. Voilà. Lui-même, il n'est qu'un instrument de propagande. Comme on dit que quand il est un petit bras de la dictature, lui-même, il est une victime, mais qu'il ne connaît pas seulement. Et quoi qu'il est parmi eux. Regardez comment ils sont à l'entrée. L'immeuble étoile. Regardez comment ils sont là, comme les Dalton. Obama est devant, Samuel Eto'o est là, suit Rigobert Song derrière, comme les Dalton. Recommandation, les ordres de instruction. Vous devenez petit. Là, on t'a même donné un peu le poids. Parfois, on t'a envoyé que le sous-préfet te convoquait. Ou bien un préfet. Ils sont là comme les Dalton. Même toi, ta place n'est pas assurée là. Voilà. T'amuses-toi, on t'humilie. Et le karma, c'est ça. On te laisse broyer les autres. À ton tour, toi aussi, on te broye. Pour faire plaisir à la masse commune. C'est ça le problème. Les gens n'ont rien compris. Les gens ne comprennent pas que non, nous, Mbanga, on peut s'engager.
Mais on ne veut pas se faire humilier, on ne donne pas la chance là. On est mieux placé. Nous, on connaît le Cameroun. Il y a beaucoup là seulement qui commencent à faire les vidéos aujourd'hui. Avant de s'engager, d'abord on était Camerounais vrais. C'est-à-dire qu'on était dans le Cameroun. On a vécu. Voilà. Tout l'argent qu'on ramenait là, on mangeait ça au Cameroun. Avec les gens. On a les amis dans le système. Donc nous, on connaît comment ça se passe. Tu as quel pouvoir? Il suffit qu'on organise un congrès, un meeting extraordinaire. Voilà, on passe au vote. Dorénavant, Samuel Eto'o n'est plus président de la FECAFOOT. Ah, dis donc, on te prie, dis donc. Tu as fait quoi? Les motifs manquent. Sans même te coller une procédure. Alors, tu es obligé d'accepter. Tu peux faire le bras de fer. C'est là maintenant, on va même te dire que bon, Nathalie Kouah avait même raison. Donc, ma Nathalie Kouah va encore porter plainte. Que partout, tous les états, c'est comme ça. Que personne n'a sa place assurée ici. Toi-même, ta place assurée. On vous dit, soyez sage. Vous prenez la FECAFOOT, ça devient un business. Vous broyez la vie des gens. Vous êtes rancunier. Un leader doit être pondéré. Elle doit être mature. Doit donner la chance aux autres. Un leader, c'est gagner. Voilà. Que pendant ta présidence, ton exercice, tu as eu les prix. Tu as gagné. Tu es là, oui. En fait, l'homme qui est égoïste, c'est un problème. Président de la FECAFOOT. Mais ça sert à quoi? Je suis président de Mbanga Diaspora. Ça restera dans l'histoire que quand Mbanga, quand moi, M. Wame était président de l'association Mbanga Diaspora, on a fait le forage. On a conçu la salle de classe à la prison de Mbanga. On a mis les caméras à la prison de Mbanga. On a tout ce qu'on a dit, on a réalisé. On a envoyé les enfants à l'école. On a, c'est ça. Mais ça, ce n'est pas que tu es président et puis quoi? Ça sert à quoi? Parce qu'on n'est pas là éternel. Tu ne seras pas là éternellement. Les gens n'ont même rien compris dans la vie. Voilà pourquoi les autres pays ont compris. Non. Moi, Macron, voilà ce que je veux qu'on retienne de moi. Mais l'homme camerounais, l'homme africain, c'est que j'occupais tel poste, même s'il ne gagne rien. On a vu l'autre jour en Côte d'Ivoire. Tout un président de la FIF de Côte d'Ivoire. Est-ce que j'ai été élu pour gagner la CAN? Mais attendez, il ne démissionne pas. Vous sentez tout ça, c'est les gens qui ont les affinités à le régime. Attendez. Qu'est-ce que la carrière d'un sous-préfet, d'un administrateur civil, c'est de finir gouverneur. La carrière d'un homme en tenue, d'un officier, c'est de finir commissaire divisionnel. Voilà le rêve. Comment toi, la plus grande fête de football, tu dis que tu n'as pas été élu pour ça. Tu as été élu pour quoi? Mais attendez, toujours les allégations qui viennent des hommes africains. Tu demandes que, mais voilà quelqu'un qu'on dit qu'on a mis là-bas. Est-ce qu'il mérite même? Il a même l'étoffe. Après, c'est lui qui célèbre ça. Mais monsieur, mais tu es quelqu'un qu'on doit arrêter, on met en cellule. Qu'est-ce que tu veux passer comme message? Tu as été élu pour quoi? La plus grande cérémonie de football dans le monde entier. Attendez, c'est la coupe. C'est la Coupe du Monde. La Champions League. Quand on dit le monde est maintenant, il y a l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas un autre championnat qui chauffe comme la. Après la Coupe du Monde, c'est la Coupe d'Afrique. Qui bouge. Parce que la Coupe América, ça se limite à un certain niveau. Ça ne bouge pas trop. Mais la Coupe d'Afrique, on connaît la majorité des grands footballeurs sont les Africains. La majorité. Et chacun rentre chez lui. Montre le spectacle. Toutes les chaînes de télévision sont braquées. La coupe asiatique, bon, ça fait, ça danse. Comme actuellement, là, les Saoudiens sont en train de payer beaucoup d'argent pour faire la promotion de leur pays et faire le football chez eux, en passant par le football. Mais un président d'une fédération, je n'ai pas été élu. Mais attendez, tu es président d'une fédération de football d'un pays. Attendez, tu as été élu pourquoi alors? C'est la moindre chose. La Coupe d'Afrique, du continent dont on appartient, dis donc, trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué en fait. Donc restons seulement debout et restons prêts. Voilà. Le changement c'est pour bientôt. Il faut qu'on apprenne encore beaucoup de choses aux Africains. On a beaucoup à apprendre. Voilà. C'est-à-dire on suit le vent en fait. Personne n'est su de lui. C'est-à-dire que les autres peuples nous dépassent parce que quoi? Les gens sont ténaces, déterminés. Quand tu dis que je suis là pour ça et je vais rapporter. Voilà. Il faut toujours avoir la volonté dans la vie. Quand tu as la volonté nous pousse à l'excès, à l'obligation. Parce que tu as honte. Tu as honte de te contredire par la suite. Voilà pourquoi quand quelqu'un perd, il est frustré. Il pleure même. Mais oui.
promis qu'il devait gagner. Automatiquement, il a honte. Un homme doit avoir honte. C'est ça qui manque à l'homme africain. On doit avoir honte. Voilà pourquoi un homme qui a honte, mon ami, se donne à fond pour réussir, pour tenir sa promesse. Mais l'Africain est le seul qui se contredit facilement. Il dit quelque chose, mais demain, le contraire de ça, il monte ses dents. Aucune dignité. Voilà pourquoi les autres peuples nous dépassent. Mais oui, les autres peuples nous dépassent. Alors, nous là, quelqu'un a tué ton grand-père, ton arrière-grand-parent, il a fini avec ton père, tout et tout. Toi, à ton tour, tu viens, tu le pardonnes. Parce qu'il t'a dit, excuse-moi, tu oublies comme ça là. Regardez comment, malgré qu'ils sont proches de l'Inkassa, là, les Algériens, regardez comment ils ne blaguent pas les Français. Moins d'erreurs, le gars réagisse. Toi, tu es nouveau là, tu as dit, mais pourquoi ils sont comme ça avec les Français? Ah, tu connais leur histoire. Tu connais comment on les a massacrés. C'est toi qui oublies. La guerre d'Algérie, tu connais l'histoire. Alors, toi, tu ne connais rien. Toi, tu ne connais rien. Quelqu'un a tué ton père, il vient te gifle, tu le regardes. Au lieu de chercher à couper sa tête. Tu as cherché à couper sa tête. Alors, quand tu es ton père, toi tu es dans ton coin. Ouais, et puis il vient avec toi, il pousse ta tête chaque temps, tu le regardes, tout et tout. Ah non, quand tu veux me réagir, c'est ton frère qui est là quelque part parce qu'il boit, il mange un peu le fromage. Non, vraiment, vous voulez quoi? Vraiment, ma soeur, on s'en fout. Attendez, c'est ta vie privée là-bas. Et ta vie privée, on te parle de l'histoire. Il y en a qui ont fait du mal aux ancêtres, à nos ancêtres. Tu connais combien d'années ils nous ont remis en arrière? Tu connais combien de millions on devait être à nos jours d'aujourd'hui? Tu connais ce qui veut dire un jeune gars de 20 ans qui n'a pas femme et enfant? L'héritage que un pays perd? Tu connais ce que ça veut dire? Un enfant, un jeune garçon qui meurt à 10 ans. C'est le pays qui perd. Tu connais combien de temps ses parents ont dépensé sur lui? Et que par la suite, il décède sans lui-même laisser un héritage. Chacun doit laisser un héritage. Pas obligatoirement héritage financier. Pas obligatoirement héritage matériel, non. Chacun doit laisser un héritage humain. L'héritage en réalité, le vrai, doit être humain. Humain. Tu connais ce que veut dire un homme qui part, il n'a pas femme, il n'a pas d'enfant. Ça veut dire qu'après lui là, ça disparaît. On va parler de lui au passé. Mais alors quand tu laisses enfant, on parle toujours de toi au présent. Voilà l'enfant de. Voilà le fils de. Mais comme nous, on nous a délocalisés tous dans le bien matériel. Tout est matériel pour nous. On ne connaît pas la valeur humaine. Voilà pourquoi les autres peuples, ils ont tout banalisé. Tu vas voir un gars comme ça, il est sur sa moto. Il a la voiture. Voiture, nyang, nyang, peña, peña. On les donne tous à crédit. Mais tout, on donne plus de valeur à la chose que l'humain. Que l'humain. Et on est surpris de ce qui nous arrive. On veut se développer, mais on affame un peuple. On va prendre la force pour travailler. Affamer un peuple, c'est aussi mal les payer. Oui, mal les payer. Alors. Et l'exemple d'abonné, la bonne charité commence par le système, par le régime. Vous payez les gens mal. Et vous voulez qu'ils soient épargnés comment? Et vous êtes surpris de la corruption. Mais payez les gens bien. Vous avez les bons de carburant, vous touchez des millions. Vous avez tous les avantages du monde. Mais donnez ça aussi à tout le monde. Mais oui, donnez ça à tout le monde. Vous allez voir un gars là, 80% sont véhiculés. Même celui qui touche 200$, il a sa voiture, qui peut prendre à crédit. Là, mais oui! Tu as rendez-vous avec un monsieur, un grand patron. Tu le vois là, il sort avec son scooter. Il sort avec sa moto. Mais chez nous, c'est une honte. Tu vois, hey, c'est facile. Mais oui, je me souviens à l'époque quand peut-être mes amis me voient sur mon scooter ou bien sur mon vélo. Hey, Mbanga, donc tu as la moto. Mais oui, c'est là que j'ai pris le goût de ça. Même chez les Watt, il y a tout le scooter là garé devant la cour. Mais l'Africain, quand il a l'argent, il oublie que ça déforme même son corps physiquement. Tu vois, un homme sort de la voiture. Ses habits sont tout gâtés, ses chemises sont tout détruites. Toujours s'assoit dans la voiture. Voiture, comme s'il est né à la voiture. Hein? Tu vois, ça change même sa démarche. Tu vois un homme, un beau garçon, mais le jour qu'il sort de la voiture, tu vois que sa démarche
a tout détruit son corps. À cause de la voiture, il ne marche plus à pied. C'est quoi ça? Alors, il faut garder la forme. Il faut garder la forme. Désolé, hein? On est mal parti. On doit revoir notre éducation. Voilà. On doit revoir notre éducation. C'est très mauvais. Tu vois un gars, un beau garçon, tu le vois, il sort de la voiture. Directement, tu le fuis. Tu es une femme, non, tu le fuis. Tu le fuis. Tu vois la tête dans la voiture. Tu vois quelqu'un matin, midi, soir dans la voiture. C'est quoi ça? Alors. Il y a monsieur Nana là, l'un de mes voisins là-bas. Il pédale sous son vélo. Hein? Il pédale tout son vélo. Le type qui a Men Travel là. Il ne blague pas le sport. Alors. Il ne blague pas le sport. Hey, comment? Ouf. Tu peux le voir, ma. Non. Ne blague pas le sport. Moi, tu le vois, il marche là. Il y a un autre jour, vous savez, le vélo. Ben oui. Alors. Il ne blague pas le sport. Le sport est très important dans tout ce que tu vas faire. Voilà. Ça te fait vivre les réalités de ta vie. Parfois, marcher à pied. La marche à pied, c'est très important. Mais nous, pour nous, c'est un luxe. Il faut toujours. Les gens ratent les rendez-vous. Les gens manquent les rendez-vous parce que, absolument, il faut que j'aille là-bas avec la voiture. Attendez. C'est ton rendez-vous d'affaires qui est important ou bien c'est la voiture? Surtout un rendez-vous où on connaît déjà qui tu es. Ben oui. Peut-être la première fois, oui, dans les affaires, là ce soir, l'apparence est importante. Mais est-ce que tu as encore besoin de prouver aux gens qui connaissent déjà qui tu es? C'est ce que tu apportes qui est important. C'est l'impact sur le service que tu vas rendre qui est important. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Est-ce que moi, je perds le temps? Moi, je ne perds pas le temps. Moi, je ne perds pas le temps. Je démarre ma voiture le matin. Oh, mon ami, c'est le fait. Je m'en vais là, je prends le transport en commun, Douala Mbanga. Je prends un taxi, puisque je mets 30 000 Douala Mbanga à ma Mercedes. Donc, si je me rends compte que ça a un problème, mais mon ami, je n'ai pas le temps à perdre. Je pars à Oron pour aller chercher une voiture. 20 000 aller-retour. On va en Mbanga, je fais ce que j'ai à faire. Je suis rentré terminé, j'ai profité en temps. Mais l'autre personne, non. On connaît déjà que tu n'es plus un enfant, tu es un grand. Un grand, c'est ça. Un grand, c'est aussi obtempérer au temps. Respecter l'heure. Il ne sert à rien de venir avec une grosse voiture. Et par la suite, ça te laisse en route. Parce que c'est en panne. Au contraire, tu auras honte. Pourquoi? Ça veut dire que tu n'as pas fait la visite technique. Pourquoi ça doit te surprendre? Est-ce que ta voiture doit te surprendre? Ça en panne. Laisse ça au sol. Tu prends un jour pour cela. Pas de partir avec une voiture malade qui va te laisser en route. Tu auras plus honte. Et ça va mettre ta vie en danger. Parce qu'une voiture en panne, tu ne connais pas où ça va te laisser. Et là maintenant, tu vas perdre ta vie. Pourquoi? Parce que tu voulais toujours prouver aux gens qui tu es. À un moment de la vie, on n'a plus rien à prouver. Mais oui. Moi, c'est Fenba. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un d'autre. J'ai à prouver à moi-même. Et prouver à moi-même, c'est quoi? C'est de dire, mes enfants ne vivront pas le calvaire que moi j'ai vécu. Allez à l'école. Formez-vous. Allez à l'école, formez-vous. C'est tout. Je donne je dois donner le meilleur de moi-même. Je dois donner le meilleur de moi-même avant que la nature et Dieu décident autrement. Et comme tout ce que tu demandes à Dieu et que tu as mis la volonté, Dieu t'accompagne toujours. Ce qui est sûr et certain, c'est que à 80%, ils vont réussir. Parce que Dieu nous donne toujours ce que nous voulons. Quand nous avons mis la volonté, tout c'est la foi. C'est clair, tu as la foi de mettre le temps, l'énergie pour tes enfants, de dépenser pour tes enfants, de travailler pour tes enfants, de les encadrer. Automatiquement, le résultat ne doit pas te surprendre. Parce que tu mets de l'énergie pour eux, pour ça. Pourquoi ça doit te surprendre, le résultat? Si tu ne mets pas ton énergie, pourquoi si négativement ils échouent, ça doit te surprendre? Si tu as un résultat négatif, ça ne doit pas te surprendre. Parce que c'est ta manière de faire. C'est clair, on ne sème que, on ne récolte que ce qu'on a semé. Donc voilà pourquoi quand mon enfant vient avec la note, papa j'ai passé, bon, ça ne me surprend pas. Je me surprends pourquoi? Comment? Comment je vous paye presque 6 répétiteurs. Comment vous... Attendez, mais au contraire, je n'acclame pas ta note.
Comment tu as 14 de moins? Tu dois avoir 18 de moins. Tu dois avoir 18 de moins. Il est normal que l'enfant du sous-quartier a 18 de moins. Toi, qui es l'enfant, qui a tout, qui a le répétiteur, qui, tu vas à l'école avec la voiture, tu m'amènes 14 de moins, jusqu'à on dit qu'il faut la presser. Je n'apprécie pas, j'apprécie pour. Et t'apprécies pourquoi? Et t'apprécies pourquoi? Tu dois apporter un résultat équivalent à ta prise en charge. Comment? I am on the way. Et bien sûr, je vois les gens qui sont là. Oh, on acclame l'enfant. L'enfant a dit de moins. Tu applaudis quoi? Tu applaudis quoi? Alors qu'il a 5 répétiteurs. Alors qu'il a tous les livres. Alors qu'il a tous les cahiers. Tu applaudis comment? Alors, il doit avoir au-dessus de la moyenne. C'est clair? Il ne doit pas être comme toi. Et comme j'ai toujours dit, la richesse doit être aussi morale et spirituelle. Voilà. La richesse doit être aussi morale et spirituelle, pas seulement matérielle. Montrer à l'enfant de donner plus de force, donner plus d'énergie en fonction de ce qu'il reçoit. Voilà. Tu ne sais pas ce que tu... C'est parce que tu ne vois pas seulement. Voilà. Je vois des gens qui disent que non, nanani, nanana... Non, quand je vois les gens parfois, quand je fais mes vidéos parfois, que Mbanga Diaspora, non, éduque tes enfants seulement, n'attends rien d'eux. Pourquoi je n'attends rien d'eux en retour? Je peux aussi être comme les autres parents irresponsables par eux. Mais oui, les gens sont souvent là. Nous sommes les motivateurs sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Vous ne comprenez pas ça. Les réseaux sociaux, nous sommes comme les acteurs. D'abord, est-ce qu'un enfant qui est bien éduqué, que son père lui a pris en charge, peut l'abandonner, peut le voir souffrir? Va le résultat, le Kylian Mbappé. Quand tu regardes son père vivre, son père peut manquer de quoi? Wilfried Mbappé. Est-ce que Wilfried Mbappé peut manquer quelque chose? Il ne peut pas manquer quelque chose parce qu'il a pris ses enfants en charge. Donc si vous éduquez mal vos enfants, ça vous regarde. Je ne vois pas mes enfants me refuser quelque chose. Ça dépend de comment chacun éduque ses enfants. Je vois les gens venir me contredire, mais ça veut dire que tu es un mauvais parent. Donc ça veut dire qu'un jour tu vas souffrir. Ou bien imaginez, tu as éduqué tes enfants, tu les as envoyés à l'école. Et que demain tu les souffres. Pour toi, c'est une logique. Je vois même des femmes, des mamans qui viennent vouloir contredire le direct. Ça veut dire que ton enfant, c'est un enfant mal élevé. Il est mal éduqué. Et pourquoi alors se plaindre d'un ami qui n'est pas reconnaissant? Pourquoi vous plaignez alors? Quand vous n'êtes pas d'accord quand je dis que un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Un enfant qu'on éduque, c'est un homme qu'on gagne. C'est une forme de retour sur investissement. Pourquoi tu accuses ton ami d'être ingrat, égoïste, d'être malhonnête pour tout ce que tu as fait pour lui? Pourquoi tu n'accuses pas ton enfant? Et si ton enfant ne te prend pas en charge parce que tu as chuté, ne te donne pas le même amour que toi tu lui as donné, mais sache que tu l'as mal élevé. Ça veut dire que tu l'as mal élevé. C'est une forme de retour sur investissement. On ne le dit pas, mais voilà le mot qu'il y a. J'ai mon voisin qui est expert en banque, il se balade partout dans le monde entier. Il a sauvagement d'argent. Mon voisin. Et quand on dit que retour sur investissement, ça veut dire que c'est de faire des petits cadeaux à son père. Il y a les parents capables. Quelqu'un me dit non, Banga Diaspora, il faut arranger. Je n'ai pas de vie. Mon ami, j'ai ma vie d'abord. Mon souhait, c'est que mes enfants sortent de ma maison, que chacun passe se battre. Mon petit peu que j'ai investi, je peux vivre de ça toute ma vie. Mais oui. Quelqu'un qui a plus de 500 000, mon ami. Mon ami, il a besoin de quoi quand il est vieux? Il a besoin de quoi? 500 000? C'est beaucoup. Quelqu'un qui a plus de 500 000, c'est beaucoup. Je connais des fonctionnaires qui n'ont que 80 000, qui n'ont que 100 000. Mais ils sont à l'aise avec le pain, bois, c'est bien chaque jour. Combien de fois quelqu'un qui a plus de 500 000? Alors, mais quand on parle ça, c'est de l'amour. Mon voisin là, son père était secrétaire dans un ministère. Secrétaire général. Son père a le chauffeur.
Son père a le chauffeur. Mais quand je vois comment le gars le prend en charge, il dit, mon frère, mon père nous a donné toute l'éducation du monde, gars. Pas parce que mon père manque l'argent. Mon père a les immeubles. Mais je l'offre les cadeaux. Le gars, chaque temps, et que c'est comme ça. C'est ça la vie. C'est d'abord l'éducation, d'abord. Ah, je vois les gens, mais si ton enfant ne te prend pas en charge, ne te donne pas l'amour que tu lui as donné, ça veut dire qu'il est mal élevé, tu l'as mal éduqué. C'est clair. Tu veux parler? Ah non, même ici en France, mon ami qui t'a dit que c'est un référent d'éducation. Toujours complexé l'homme africain. Toujours réduit ses qualités face aux autres. Que même ici en France, même ici aux États-Unis, mon ami, c'est la tradition là-bas, porter le parent, aller jeter dans les pensions, dans les maisons de pension, dans les maisons de retraite. Réussi au Cameroun, tu fais ça. Réussi au Cameroun, tu fais ça. Que tu es quelqu'un qu'on connaît là. Les mots que tu vas encaisser. Les vraies familles qui se respectent. Quand tu passes chez le milliardaire, tu vois toute sa mère. Elle est là derrière. Ah oui. Ça veut dire que tu es pauvre, tu n'as rien. Tu es pauvre, tu n'as rien. Je bagarre chaque jour avec ma mère. Maman, j'ai conçu la maison. Voilà ta chambre là-bas. Non, enfin, je vais aller au champ. Il va aller moi qu'au champ. Mais oui. C'est pas que tu n'es rien. Tu n'as rien que tu parles ça. J'ai les voisins multimilliardaires. La mère, quand tu comprends que sa mère est morte, c'est à la maison chez lui. Tu vois les familles que les enfants ont réussi, la vraie vraie. Quand on dit réussi, c'est pas les gens comme nous ici là. Les familles qui ont. Ils discutent l'enfant. Ils discutent les parents. Ils discutent les parents. Ah, tu es là, vous êtes là mal élevé. Ah, quand les vrais gens parlent, vous ne voyez même pas dans quoi ils se basent pour parler ça. Si demain ton enfant t'abandonne, quand tu vas vieillir, donc je pense qu'à 80 ans, 90 ans, tu n'as pas marché à la canne. Hein. Tu n'as pas besoin des assistances. Voilà, si ton fils va seulement porter un inconnu, venir le mettre à la maison, qu'occupe-toi de ma mère, tu vas voir, tu vas lire là. On va même te gifler. Vous voyez souvent les parents, quand on est parti jeter dans les maisons, les pensions, les maisons de retraite là-bas. Hein? Les pensionnats, comment on les manque le respect, comment on les traite mal. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Je connais un petit là qui a fait la prison. On a condamné à 20 ans de prison. Il viole une grand-mère de 80 ans. Et il t'aime. Vous croyez de quoi là? Alors que la mère a les grands enfants, les grands avocats, les grands magistrats, les grands commissaires. C'est les effets de ça là-bas. C'est les effets de ça. Et il y a les formes de mort que quand ton parent a subi, tu vas porter la malédiction. Alors, tu as tout le pouvoir. Ça te coûte quoi de prendre ta mère, venir mettre chez toi? Propose-lui au moins avant qu'elle refuse. Quand Bara Diaspora parle, mon ami, ça, tant pis pour vous. Voilà. Mes enfants, c'est ma retraite. Et j'attends d'eux. Je ne te prie pas pour te dire ça. C'est clair. J'attends d'eux. Et c'est clair. Parce qu'ils attendent de moi. Je peux aussi être un irresponsable. Rien ne m'oblige à être responsable. Car ils n'ont pas demandé à naître. Ah bon, hein? Les enfants qu'on abandonne là, c'est quoi là? Ils ont demandé à naître. Le père les gère. Le père les gère. Donc on a les neveux dans les familles qu'on prend en charge là. Attendez, la soeur n'est pas mariée. Ils ont le père, non? Va lui demander d'être responsable alors. Il va te dire que monsieur, tu n'as pas le droit de me donner les autres. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous assiez, vous parlez, tu n'as pas ça. Quand on parle des gens, quand on parle d'un domaine de responsabilité, vous êtes toujours en train de vouloir crédibiliser les choses. On vous dit que les mœurs africaines sont en train de s'égarer. Bah oui. Voilà aussi ça l'influence de l'Occident sur certains de nos frères africains. L'influence de l'Occident, c'est très dangereux. Voilà. Tu n'es pas blanc. Ici, tu n'es pas blanc. Tu n'es pas blanche. Tu n'es pas blanche. Tu n'es pas blanc. On parle de la famille. Que, wow, une femme, non, si je vais donner l'argent à ma mère, je vais donner l'argent à ma femme pour qu'elle donne à mes frères. Tu peux faire ça. C'est parce que ton père et ta mère sont des pauvres. Pauvres en esprit, pauvres moral. Et toi-même, tu es pauvre, tu es mal élevé. Tu es mal élevé. Il faut diminuer ses parents. Tu es malade. Nous, on a pensé aussi comme ça d'ailleurs. Monsieur, la vie, ce n'est pas ordre d'arrivée. La hiérarchie est d'abord spirituelle avant d'être physique. La hiérarchie est d'abord les familles nobles, même chez les blancs. Vous ne voyez pas les célébrités là. C'est d'abord les mamans qu'on présente. Tu as vu la mère de Ronaldo pendant combien d'années? Tu connais la copine de Kylian Mbappé?
Mais si c'est chez nous en Afrique, on va d'ailleurs voir une petite fille avec les seins. Elle était où hier? Et donc c'est toi qui as le courage. Donc je vais donner l'argent à ma femme pour qu'elle donne à ma mère. Vraiment, vous les femmes, certaines femmes maudites viennent parler. Tu vois, les gens qui ne pensent pas à l'avenir, c'est ton âge qui te trompe. Ou bien c'est parce que tu es une femme qu'on a déçue. Tu as un traumatisme, tu as de la haine envers les belles familles. Tu vois un homme qui a réussi, tu penses que c'est tous les mamans qui accouchent les enfants qui sont célèbres, qui ont réussi dans leur vie. Tu vois les Hakimi là, dans ta famille, qui a l'argent d'Hakimi? Voilà un gars qui pèse à moins de 25 ans, plus de 40 millions d'euros. Tu as vu, c'est sa mère qui est devant. C'est là où vient la bénédiction. Et voilà le pourquoi, à nos jours d'aujourd'hui, notre bénédiction, à un certain moment, notre succès n'avance plus. Pourquoi? Parce qu'on bafoue les codes. Il y a les codes, monsieur, de la vie. Fais attention. Il y a les codes que tu bafoues. Tu failles aux règles et tu vas payer le prix. C'est clair. Et nous, on en fait partie. Nous, on sait de quoi on parle. Tu laisses ta mère pour aller donner le pouvoir aux autres. Tu es malade dans ta tête. Les codes de la vie, c'est spirituel. Tu ne le vois pas. Ta mère passe en première... Attendez, mais... Ta mère passe en première position. Qui était là? Quand ton père est mort, va aller la fouine te chante. Personne n'était là quand je souffrais. Qui était là hier? La fouine. Vous ne vous référez même pas. Même les Arabes qui sont blancs et qui sont près d'eux, respectent les codes. Et toi qui es la petite pauvre, tu arrives en ben, tu es là, même ici en Europe, même ici, tu prends tous les exemples des pauvres blancs. Tu as vu le fils d'un vrai riche blanc être abandonné dans la maison de retraite. Ah, tu parles des pauvres blancs, les blancs moyens, les pauvres, qu'on était obligé de vendre la maison familiale ou bien on est obligé de prendre la pension du père lui-même. Tu as vu un vrai riche. Donc je vois comment Bernard Tapie est mort à la maison de retraite. Bernard Tapie est mort à la maison de retraite, non? Voilà l'acteur celui-là, Alain Delon. Alain Delon est à la maison de retraite, non? Mais si c'était un pauvre blanc là, c'est qu'il est dans une maison de retraite depuis. Donc ne confondez pas. C'est parce que toi tu es pauvre mentalement. On prend les exemples. Vous avez, même ici en Europe, tu arrives là-bas quand même d'abord. Tu connais quoi? Il y a les codes de la vie. Tu blagues avec. Tu payes cash. Ton succès s'arrête. Et voilà pourquoi nous là, à un certain moment de la vie, tu te rends compte que ta vie n'avance plus. Parce que tu as enfreint aux règles de la vie. Là, aux règles de la vie. Tes parents doivent profiter de ton succès. Tes parents qui étaient là, on parle des vrais parents, pas des parents irresponsables. Surtout la mère. Mais dans les débats, on voit des gens qui font des vidéos. La mère est fragilisée. C'est-à-dire que la mère, ta femme qui est une future mère, la mère des enfants là. Donc ça veut dire qu'elle va venir en troisième position. Ta femme d'abord. Voilà les Hakimi. Tu as subi le succès de Kylian Mbappé. Les Ronaldo. Tu as subi. Regardez devant les jeunes enfants. Ils ont moins de 30 ans. Ils sont multimillionnaires en dollars. Que non, je vais imposer le respect. Je vais donner l'argent à ma femme. Si tu as besoin d'argent, tu vas. Ah bon? Mon ami, tous ceux qui obéissent à leurs parents, leur succès ne finit jamais. On t'insulte. On te dit que non, tu... Mon ami, il faut bien regarder. Je vis avec les pères dans mon quartier. Je vois comment ils vivent. Tu pars derrière, tu vois une grand-mère. Elle a 90 ans. Elle est là, elle est vivante. Quand le gars rentre, il a fait une cuisine. Je les ai. Oh ouais. Tu vois une famille, on te dit que le frère, c'est un milliardaire. Le petit frère est général d'armée. Je vois, je marche avec les gens, je vois. Tu vois une grand-mère. C'est qui là-bas? C'est ma femme qui fréquente les maisons. Elle dit souvent que mais la mère qui est assise là, c'est qui hein? Ouais. Non, c'est la mère de monsieur tel. Ah bon, hein, c'est ça. Elle est là. Elle a 92 ans. L'autre a 100 ans. On te parle d'un directeur qui touche. Les 6 millions, 10 millions par mois. Le militaire garde sa maison. Donc, devant sa maison, il y a deux militaires. C'est un patron. Mais tu vois sa mère. Et c'est toi qui es la pauvre. Elle a dit dans ma main. Ah bon, hein? Petit zinzin. Petit zinzin. Il y a les codes de la vie. Il y a les succès que. Il y a les priorités. Ça doit être privilégié par ordre d'arrivée. Tes parents profitent d'abord de ton succès. C'est eux que tu montres aux yeux du monde. Tu les célèbres d'abord. Mais nous, moins de petits millions. Ouais, non. On commence à avoir une petite fille là. Elle tourne autour de nous. Après, on se dit que, mais pourquoi le gars là, pourquoi sa vie s'est arrêtée comme ça, hein? Mon ami, tu es enflé au code de la vie. Demain, c'est ta femme qui vient. C'est maintenant elle qu'on voit. Et puis demain, c'est la belle famille. Maintenant, on voit que tes beaux parents. On voit maintenant que ta belle mère. Ta pauvre mère là-bas. Elle prie pour toi, elle ne connaît rien. Mais Dieu voit tout. C'est le code de la vie.
on te dit pas, mais tu vas payer le prix. Je parle même moi-même ici là. Ça, c'est les choses qu'on a fait, les erreurs qu'on a fait. Mon ami, qui était là? Petit frère, open your brain. La femme la parle parce qu'elle ne connaît rien. Les langages vont commencer à changer quand elle va voir son fils ou bien sa fille avoir 18 ans. Elle va commencer à voir ses souffrances de la vie. Il y a les règles de la vie que si tu enfreins, tu payes cash. Dieu stoppe ton succès. Il diminue ton argent. Et si tu ne coupes pas, tu deviens l'ombre de toi-même. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Vous avez beau parler là. Oh, oh. Non, l'ami, les parents maudissent. Va écouter les mots qui sortaient de la bouche de la mère de Didier Arafat. La malédiction des parents, ça existe. Elle n'était pas sérieuse. Mais évite d'être en guerre avec tes parents. Et surtout ta mère. Il faut l'écouter. C'est un ange pour toi. Petit chien. C'est parce qu'elle est pauvre. C'est parce qu'elle n'a pas pu te donner ce qu'elle pouvait avoir. Parce qu'elle n'avait pas. Mais les familles bien éduquées, nanties. On ne blague pas la parole des parents. Ça ne blague pas. Mais même que ça ne blague pas les enfants qui étaient bien éduqués. On les a rappelés que c'est ton anniversaire. On les a offert les cadeaux. On les a donné le vrai amour. Attendez, tu vas venir détourner mon enfant comment? Moi, Waman, tu vas me détourner comment? Je vais parler quoi jusqu'à la princesse va me dire non, papa, tu as tort. Comment? Comment? Ne confondez pas le fait que nous, on nous a éduqués à un moment de la vie. L'éducation nous a fui parce qu'on était obligé d'être les hommes avant l'âge. Que vous croyez que non, ce que vous vivez là, c'est la logique. Que c'est ma femme. C'est tous les enfants de pauvres qui disent ça. C'est passé à un certain moment de la vie. Tu es devenu un père, tu es devenu un grand frère avant ton âge, comme dit la soprano. Soprano Baba. Mais oui, en réalité, à ton âge là que tu parles, à 16 ans, là, tu devais être sur les bancs. À 20 ans, nous, on faisait quoi en aventure? On devait être sur les bancs en train de fréquenter. Moi, je suis rentré à l'époque. Mes amis de la première, mes amis sont venus à la tenue me voir chez nous. Mes amis de classe. Mes amis. Et bien, quand je suis rentré à l'époque, les amis qui font première, terminale sont venus me voir. Ceux qui sortent de l'université à Douala sont venus me voir. Que, Waman, on a appris que tu es rentré. On a appris que tu es rentré. Mes amis de classe, dans ma place, étant encore sur les bancs, qu'est-ce que tu faisais en aventure? Pendant ce temps, tu as souffert ta pauvre mère, et puis demain, là, c'est les autres personnes que tu affiches. Oui, vous ne pouvez être content parce que c'est votre fille qu'on affiche. C'est bien. Mais sachez que, mon ami, le succès-là va s'arrêter, hein, automatiquement. Tu ne reviens pas vite à l'ordre. Le succès va s'arrêter et puis il ne va que nuire avec cette fille-là. C'est clair. Il est temps que chacun comprenne ce qu'il a à faire. Que le succès a les règles à respecter, les codes à respecter. Il y a des gens qui n'étaient pas là. Donc, avant de les présenter, célèbre d'abord ceux qui étaient là. C'est ta soeur, célèbre d'abord ta soeur. Voilà ta mère, c'est elle qui t'a élevé. Ta mère est morte depuis. Voilà votre soeur, c'est elle qui vous a pris en charge. Voilà mon grand frère, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Mais subitement, on ne voit jamais personne. On commence à voir qu'une femme qui porte ton sac, c'est elle qui arrête les clés de la voiture. Mon ami, le cœur de la mère parle. Tu ne proposes même pas la cabine à ta mère. Elle est là à sauter, à venir s'asseoir. Une mère. Donc ça veut dire que comme te voilà, tu l'as connue là. Vous allez connaître les hauts et les bas. Demain matin, une fille va venir dehors. Discuter la place avec elle. Tu as vu ça où? Les familles qui se respectent. Comme les Indiens, les fêtes. Quand il parle des familles, ce n'est pas les familles pauvres comme nous ici là. La pauvreté nous a affectés. Quand il parle des familles nobles, les familles riches. Tu vas parler. Regardez un peu la vie des Indiens. Regardez comment on malmène la belle sœur. Quelque chose qui n'est pas bien. La belle fille. Elle ne peut pas dire. C'est la réalité. Hein? Ils ont le quartier, c'est Suntul. Suntul. Le quartier des bourgeois indonésiens. Le quartier, c'est. Les quartiers des bourgeois indiens, allez là-bas. La maison, c'est les ranches. C'est-à-dire que, il y a la grande maison du père qui est au milieu, tout à côté, il y a la maison de chaque garçon. Ils ont les sociétés, ils sont dans leur coin. Tu vas venir dans la famille là, tu vas venir vouloir dire que tu es devant. Ah, pardon, tu es mort en guerre. Tu es mort en guerre. Quand le père dit que non, non, c'est fini. C'est fini. Les gens confondent la pauvreté, ils viennent déranger les gens. Comme les nous, si là, on est pauvres. Automatiquement, la pauvreté nous rend mal éduqués. Mais oui. C'est clair. Donc voilà. Passez une bonne journée, les gars. On est ensemble.